Sébastien Bonnet. Au clavier, Frédéric Escoffier. Et à la batterie, Attilio Perlizzi. Vous venez d'entendre... Allô ? Oui. Vous venez d'entendre des morceaux dont on s'est demandé si le fameux Jean-Luc Rimemeil dont on parlait et qui a été l'auteur de tous ces arrangements n'était pas un peu fou. Parce que autant c'est une musique un peu déjantée et quelque peu virtuose, possible sans doute avec des musiciens rompus au jazz comme l'étaient les musiciens de Frank Zappa, autant pour un orchestre classique, c'était un pari. Alors je voulais vous demander de bien applaudir l'ensemble de Kazoo de Basse-Normandie.